Niché dans le grenier d'un ancien bâtiment militaire, le Boletung, le musée de la base aérienne de Chièvre surprend par sa déco en forme de fuselage d'avion, percée de petites cellules qui racontent l'histoire des lieux. Voilà, nous sommes ici à l'origine de la base aérienne de Chièvre. C'est une simple prairie sur laquelle s'est installée en 1918 quatre JASTA, quatre escadrilles de chasse allemandes. En novembre 1918, les Anglais chassent les Allemands. Le champ d'aviation délaissé retourne à l'état de pâture. Mais en 1940, les Allemands reviennent à Chièvre. Ils ne sont pas seuls. Les Allemands ont créé la base et ont construit la base aérienne, mais les premiers occupants en 1940, ce sont les Italiens. C'est de cette époque que date le fameux Boletung. Nous avons ici un bâtiment archéologique qui est en fait la tour de contrôle allemande, qui au fil du temps, évidemment, est devenue en très mauvais état, le toit s'est effondré, mais à l'origine du musée, c'est là que nous devions nous installer. Et juste à côté, nous avons une interprétation du Boletung dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. L'ancienne porte d'entrée en bois a été remplacée simplement par la grille moderne. En septembre 1944, les Américains atterrissent à Chièvre avec leur fameux Mustang. Nous avons ici une des pièces les plus rares et les plus originales du musée. C'est un réservoir supplémentaire de Mustang en papier. Donc le principe, c'était de gonfler un ballon en caoutchouc, contre-coller trois épaisseurs de papier, vider l'air, le remplacer par de l'essence. On gagnait ainsi en prix, surtout, et en facilité. Il faudra attendre 1951 pour voir les cocardes noires, jaunes, rouges sur la base de Chièvre. Mais ce ne sont pas des anges qui tombent du ciel, plutôt des diables. Alors, le mannequin qui est à côté de moi représente un des pilotes de la patrouille acrobatique Les Diables Rouges, qui était créé à Chièvre en 1957. La patrouille a volé sur les Hawker Hunter de 1957 à 1963, date à laquelle la base a été dissoute et la patrouille a été dissoute également. Dernier chapitre, toujours en cours, le retour de l'oncle Sam. Les Américains viennent ici pourquoi ? Parce que le chef a été chassé de France, il est venu s'installer à Castaux et la base de Chièvre sert de base aérienne VIP pour Castaux. Fin de la visite, mais pas de l'histoire. Le petit musée de Chièvre et son équipage ont encore plein de choses à vous raconter.